Aujourd'hui, on est à l'hôtel et vous savez pourquoi par le titre? Grand jour pour Eman. C'est la première fois de ma vie que je vais à une finale de la Coupe Stanley, mesdames et messieurs. Et ce soir, si les Canadiens perdent, vous le savez, c'est terminé. Les Lightning de Tampa Bay gagnent, mais la famille Ventura va changer ça. Parce que Eman a un plan. Je vais tenter de remettre une lettre à l'entraîneur des Canadiens ou en fait à n'importe quel joueur des Canadiens. Une lettre dans laquelle il y a une stratégie qui, je pense, pourrait changer la série. Ça sera pas facile, mais on s'est pris des bons billets. Nos places vont être quand même près du banc des Canadiens de Montréal. Donc on devrait être capable de remettre la lettre. Et pour ceux qui disent ils vont pas lire ta lettre. Je vais essayer de les convaincre. Et croyez-moi, s'ils la lisent, ça pourrait tout changer. Là, je peux pas vous dire qu'est-ce qui est écrit dans la lettre parce qu'évidemment, il pourrait avoir un joueur des Lightning de Tampa Bay ou un ami d'un ami qui écoute la vidéo et là, ils vont aller dire la stratégie, vous comprenez? Je vais aller voir le match des Canadiens de Montréal seul. Ezekiel, Mariana, maman et Madison vont rester à l'hôtel. Mais on s'est pris une superbe de belle chambre dans laquelle ils vont pouvoir... Ben, maman va vous expliquer. Au menu, ce soir, qu'est-ce qu'on fait, Mariana? On va manger des bonbons, des popcorn et bien tout au charge. Oui! On va faire un game night, repas à la chambre, on écoute des films en même temps, puis on chill. Outfit of the day, chapeau Prada, une veste misguided, un petit chandail comme ça, une épaule misguided, des jeans sont vraiment trop grands là, parce que j'ai comme, je suis en train de perdre le poids de bébé. Mon sac Prada et mes sandales, je les aime vraiment gros, je les ai pris au misguided aussi. C'est toute la bedaine que j'ai perdue que j'avais genre à Madison, voyez-vous. Et je dois vous faire une confession, ça se peut que si on passe devant un Sephora, ben j'aille acheter quelques soins puis on va tester ça ensemble pour passer le temps. Ah, Montréal, aussi appelée la ville orange. Ah, c'est Frosty. Fallait le savoir à travers la construction. Hey, change pas. C'est cher quand tu viens ici. C'est cher, Sephora. Ok, il est 6h10. Le match est à 8h. Je vais laisser maman et les enfants à la chambre d'hôtel et je vais aller rejoindre mon frère qui m'attend. Déjà, il vient de m'appeler pour me dire qu'il est devant le Centre Bell. Donc, je vais y aller. Et nous, on commence le party de fiche. On met en pyjama. Bon, ben je vous laisse tout le monde. Bye! Bye. On s'en va ce soir. Bye! Un câlin, c'est vrai, un câlin. Marina m'a dit un câlin, va le partir. Je t'aime. Bye! Moi aussi. Mon Dieu, je pars 2 heures, tout le monde. Je pars 2h30. Hey! Elle est rendue où, elle? Ok, je pensais qu'elle était partie dans le corridor. On se revoit dans les rues de Montréal, tout le monde. Je suis en route vers le Centre Bell et écoutez, je suis vraiment content de voir à quel point Montréal est vraiment préparé à toute éventualité. Victoire ou défaite, je pense qu'en effet ça va brasser dans les rues de Montréal ce soir. J'ai pas encore trouvé mon frère, mais je suis pas encore rendu au Centre Bell, ça j'arrive. Mais écoute, il y a de la sécurité mon ami, c'est assez fou. Faut dire que ça l'a brassé l'autre jour. Hein, mais c'est historique, ça va être quelque chose. Waouh, hey, c'est vraiment, c'est malade. Là, moi, je vais me démaquiller parce que c'est certain qu'un self-care night. Regarde la licorne! Oui, je ne passe pas ça avec du maquillage, donc je me démaquille. Et là, je vais resserrer mes cils M dedans leur case et j'ai conçu les cases exactement pour ça, pour que vous puissiez les, vous en servir pour garder précieusement vos cils. Puis en même temps, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je les décolle. Donc, je vais prendre le coin avec mon ongle ici et doucement tirer sur la bande, regardez, de cils, mais pas sur le poil des cils. Genre, je sais pas si vous comprenez, tu sais, genre, je tire pas comme ça. Je tire comme ça.
en faisant sans attention et je décolle doucement comme ça. Si vous pouvez bien voir, ça l'a arraché aucun de mes cils, donc vous n'avez pas à avoir peur. Je remets tout simplement mes cils ici. Puis je les recolle pour qu'ils prennent la forme de quand ils étaient là au début. Fait que là, ils restent un petit peu en cercle. On est good to go, donc maintenant, je me démaquille. Bon, je viens de trouver mon frère. On est sur le point d'entrée. J'ai mon plan en main, OK? Préparez-vous, ça va tout changer. Toute la série va changer. Pensez-vous que je vais réussir? Écrivez en commentaire si je vais réussir. Pensez-vous que je vais réussir à apporter un plan à l'entraîneur des Canadiens de Montréal à travers toute la sécurité? La sécurité est assez exceptionnelle. Mais, étant donné que j'ai des billets pour rentrer, déjà, il y a une bonne étape de fête. Hein. Là, il y a du monde ici, il y a un garde qui rit de moi, une infirmière qui est là pour me sauver la vie. Okay? Il pense que je réussirai pas. Non. Ben, bonne chance. Ah, bon, ça, j'aime mieux ça. Au moins, un peu de positif. Il m'entend de loin. Je vais aller porter ça à l'entraîneur et pas rentrer. Donc, je suis démaquillée et je ne vous vois plus en ce moment parce que j'ai plus de verre de contact. Et je suis presque aveugle sans verre de contact. Donc là, on avait acheté des masques, genre nettoyants, qui font le visage tout en bulles et les enfants savent pas qu'est-ce que c'est. Donc là, on va aller faire ça à l'instant. Ça va être mourant. OK, là, on entre où la sécurité est assez incroyable. Il y a de moins en moins de personnes, OK? Donc, ça s'en vient tout le monde. La sécurité est incroyable. Donc, en achetant un billet, déjà, on a passé pas mal de sécurité, hein? Il reste à passer la sécurité à l'intérieur, mais ça devrait bien aller. Bouge pas. Ça, c'est tes yeux? Moi, c'est froid. C'est froid, hein? Ça fait du bien, par exemple, hein? Viens. Ça ressemble à deux petits cochons. Comment ça fait des bulles, là? OK, on est à l'intérieur, tout le monde. Là, étrangement, on monte pas mal. Je pensais que nos billets étaient plus bas que ça. OK? On n'arrête pas de monter. Mon frère m'avait dit que... Mais on va descendre. C'est peut-être fait comme ça à cause du COVID, ils font serpenter les gens. T'es content, là, on descend. On s'était trompé, on avait monté trop haut. On redescend. Je suis content parce que je commençais à être loin de l'entraîneur. Hey, on n'arrête pas de descendre. T'es assez content. Hein? Ça va bien. Là, un étage plus bas, on est dans la salle des joueurs. Mais ça va bien. OK, mission accomplie. On est à nos places et je suis très content. Très content des billets. Les vents sont juste là. Très faisant, mesdames et messieurs, on va aller porter notre plan et changer la série. Le gardien qui est là, c'est la dernière chose qui me reste à passer pour donner mon plan à l'équipe. Donc là, Mariana fait dodo. Madison fait dodo. La laisse dormir là en attendant. Et Ezekiel, il chill. Il a encore. Il toffe encore. Et là, on attend de voir si papa et son frère vont passer à la télévision parce qu'ils sont à la 6 ou 9e rangée en arrière des Canadiens. On vient de recevoir une livraison. Attendez de voir. Oh my god! C'est rempli de bonbons. Non, mais j'ai acheté genre 6 bouteilles d'eau. J'ai réussi à me faufiler et j'ai été capable de mettre le plan. En tout cas, vous allez l'avoir vu là, mais j'ai pas été capable de le donner en main propre. Il a fallu que je me rende quand il y avait personne. Désolé, je parle fort, mais c'est parce que j'ai plus de voix. Donc, je parle le plus fort que je peux. Mais en bref,
j'ai réussi, mais j'ai pas réussi à le mettre en main propre. J'ai réussi à juste le mettre dans la fente des vitres. Donc je sais pas s'ils vont le voir, le mot. On est à l'entracte de la première et la deuxième période. Donc je sais pas si quelqu'un de l'équipe va l'avoir vu. À date, ça va bien, par exemple, c'est 1-0. J'ai réussi à aller porter le mot au banc des joueurs, mais pas de main propre. De toute façon, ça aurait été impossible, mais ça a marché pendant l'entracte. Il y avait moins de surveillance pendant que tout le monde va manger puis à la salle de bain. En tout cas, bref, j'ai réussi, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais à date, ça va bien. À date, ça va bien. Peut-être qu'on va la gagner, celle-là, et changer la série. Je n'ai plus de voix. Vous comprendrez pourquoi. Écoutez. On ne saura jamais si c'est grâce à la télévision. Mais moi, je vais continuer de croire que oui. C'était vraiment malade. Là, mon frère vient de partir. Donc là, je suis seul et je vais aller rejoindre les enfants et maman à l'hôtel. Mais toute une soirée. Toute une soirée. Pour ajouter du piquant, je vais me raconter la douce histoire que. Il y a une chance sur mille que ce soit à cause de moi. Je sais que non, mais c'est pas grave. Juste de se l'imaginer, c'est drôle. Ok. Je voulais vous enlever ça, mais là, la police vous pousse en arrière. Faut s'en aller. Bon, ok, je suis rendu loin du Centre Bell. C'est plus calme. C'est pas encore 100% calme, mais c'est plus calme. La ville est tellement heureuse présentement, tout le monde est en train de devenir fou, de joie. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu parler de choses qui n'ont pas bien été après le match, mais moi, de ce que j'ai vu live en direct ici, ça a vraiment bien été. Là, je pense pas que... En vous parlant, j'ai réalisé que j'étais arrivé à mon hôtel. On va tout le temps ici, à l'hôtel de Berks. On aime vraiment ça. La ville est complètement sans dessus-dessous, c'est genre... J'ai pas de mots, mais la ville, je sais pas si vous entendez l'excitation dans la ville, mais c'est incroyable. Les Canadiens ont gagné, Mariana. T'as passé une belle soirée? Très épuisée de la partie. T'as passé une belle soirée? Mais là, je suis fatiguée. C'était relax. Ouais.